Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de dingue. J'ai reçu un super colis de Sunny Plants. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, ils m'ont juste envoyé des plantes, ils m'ont envoyé un colis et ils m'ont rien demandé en échange, mais bon. Un colis pareil, ça se partage. Sunny Plants, c'est une boutique qui vend principalement des succulentes en ligne, que ce soit sous forme de plantes ou de boutures. Ils font maintenant aussi des petits pots, du terreau, ils commencent vraiment à étendre leur gamme. On y trouve des plantes rares parce qu'ils m'ont envoyé ma pépite, celle dont je rêvais depuis des années et que j'avais mis dans ma wishlist pour cette année. Voilà, donc je vais vous montrer, ils m'ont fait un colis de dingue et voilà, faut juste que je vous montre tout ça. Avant de commencer l'unboxing, je fais un petit, une incrustation de choses que j'ai pensé à dire une fois que j'étais à la fin de la vidéo, mais je pense que c'est très important de le dire au début. Là, on est en novembre et commence à faire froid. Eh bien, dans mon colis, il y avait deux petites cartouches chauffantes qui ont permis aux plantes d'être bien au chaud pendant le transport. Et voilà, donc si vous avez envie de commander, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, les plantes, elles n'auront pas froid. Il y a aussi un code promo. Là, tout de suite, je ne l'ai plus en tête. C'est un code promo général. Hein. Il n'est pas spécialement relié à moi. Qui doit être valable jusqu'en décembre, si ma mémoire est bonne. En tout cas, je vous récapitule tout là, en bas de l'écran et en barre d'information. Je vous mets un lien vers la boutique Sunny Plants aussi, en barre d'information. On va commencer par le matos, hein. D'habitude je fais plutôt les plantes en premier. Donc, ils m'ont envoyé du substrat pour les succulentes. Alors, on va l'ouvrir. On va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, on a un substrat avec, je pense qu'il y a du terreau, du sable et je vois des graviers. Donc, on doit avoir un substrat qui va être bien drainant, qui va être pas mal du tout pour les succulentes. Ça me paraît super bien. Ils m'ont envoyé aussi de quoi faire les rempotages. Alors, ils ont maintenant deux types de pots. Je crois qu'ils n'en avaient pas à l'époque où j'avais commandé chez eux. Donc, ils ont des petits pots ronds et des petits pots carrés. Alors, les petits carrés, ils sont pas mal du tout parce que quand vous voulez ranger vos succulentes sur les étagères, vous voyez, vous perdez pas de place. C'est le principe, c'est pas mal du tout. Et l'avantage de ces petits pots, c'est qu'ils sont parfaitement à la taille pour rempoter les petites plantes et les petites boutures qu'on commande chez eux. Donc, tip top. Alors, ça, c'était un petit peu... Ah non, en termes de matériel, on a autre chose. Alors là, pour moi, c'est une nouveauté totale de l'engrais pour les succulentes. J'en utilise jamais, pour ainsi dire jamais, de l'engrais sur les succulentes. Je les laisse faire leur vie comme ça, mais là, je suis vraiment curieuse de le tester. Alors, je vais attendre le printemps parce que là, je pense... Ah, quoique, j'ai peut-être des succulentes qui vont être en croissance pendant l'hiver, donc à voir. En tout cas, c'est un petit engrais en poudre. Le dosage est marqué dessus et je pense que ça peut être pas mal parce qu'il a l'air d'être vraiment spécifique pour les plantes succulentes. Alors, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure de la pouzzolane que j'ai reçue. Donc la pouzzolane, c'est de la roche volcanique, hein, tout simplement. Ça, on peut s'en servir quand on rempote les succulentes pour avoir un substrat plus drainant. C'est pas mal du tout. Et ce qui est bien avec celle de chez Sunny Plants, c'est que la granulométrie est fine. Donc elle convient parfaitement bien, vous voyez, comme c'est fin, c'est 1 à 4 mm. Et ça convient parfaitement bien et à des petites potées de succulentes, parce que des fois, on en trouve facilement dans le commerce de la pouzzolane, mais c'est beaucoup plus gros, les grains. Et dans ce cas-là, ça ne convient pas. Et maintenant, on va passer à ce qui me fait vibrer. On va passer aux plantes. Alors, ils m'ont demandé lesquelles je me faisais envie. Ils me les ont envoyées. Et puis, ils m'en ont en plus envoyé plein d'autres. Donc, c'est juste merveilleux. Un grand, grand merci. Alors, on va commencer ici avec un petit Calanchoe rhombopilosa. Oups! Il a perdu une petite feuille. Voilà, alors que dire sinon que cette petite plante est juste trop magnifique. Tachetée un petit peu comme une panthère et tout. Juste magnifique, argentée. Ça, je pouvais pas rêver mieux. Là, on a un petit sedum rupestre cristata. Alors ça, c'est moi qui l'ai demandé. Parce que je viens d'avoir un autre sedum un petit peu du même genre. Et ça, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop trop chouette. J'ai quoi d'autre? Oh, quand je le tiens dans mes mains, j'ai l'impression d'avoir un bébé. Un petit cotylédon. Alors pour être exact, cotylédon tomentosa variegata. Vous savez que j'adore ces plantes succulentes, les cotylédons. J'en avais un qui n'était pas variegata, qui était normal. J'arrive assez bien à les cultiver en intérieur. Et quand on les met en extérieur, ils deviennent magnifiques. Et là, avoir cette petite patte d'ours comme ça, en version variegata, c'est...
C'est juste trop chouette. J'adore. Ça, c'est un de mes coups de cœur de cet envoi. C'est trop, trop chou. Là, un Senecio que je n'avais pas. Vous savez que j'aime bien les Senecio, notamment les Senecio Rolleianus et aussi ceux avec les petites perles allongées. Et là, on a carrément le Senecio Radicans Strings of Bananas. Donc ça, c'est le Senecio avec les longueurs. Et là, on part sur un bébé. Donc il va falloir le faire pousser pour en profiter. Et alors, c'est ce qui est pas mal chez Sunny Plants, je trouve, c'est que on a les plantes, elles sont petites ou alors sous forme de boutures. Donc on arrive à se payer des plantes rares, mais à prix abordable. C'est chez eux que j'avais commandé mon Senecio Rolleianus variegata. Les boutures vont super bien, elles ont un petit peu souffert pendant la canicule, mais sinon elles sont bien reparties. Et de chez Sunny Plants, j'ai aussi un petit Calanthe Mioti qui est en train de s'éclater sur le balcon. Là, lui, il est en train de faire sa vie, de vivre sa meilleure vie sur le balcon. Alors, après, petite pépite, encore un sédum, mais oh, toi, je t'aime, t'es trop, trop beau, trop choupi. Regardez-moi ça, ça c'est. C'est la plante, tu la regardes à la loupe et elle est trop trop belle. Un sedum Perez de la Rosae. Donc ce sedum, il est juste trop trop chouette. Assez classique, mais juste magnifique. Moi j'adore, j'adore ce genre de plante. Il y a les petites pointes rouges, c'est très très chouette. Et vous voyez, il a sa petite mode bien bien. On va aller le rempoter. Pof, il va être tout bien. On a les petits pots au bon format, c'est juste parfait. On a le substrat qui va bien aussi. Avec ça, on ne risque pas de se planter. Alors, Sunny Plants, ils m'ont dit qu'ils avaient aussi des petits baby Monstera Deliciosa. Et j'ai dit, ok, banco, parce que je n'en ai pas. J'avais eu un bébé Monstera Deliciosa il y a quelques années, mais il était mort, il avait eu des trips. Et donc là, j'accueille un petit bébé et on en reparle dans quelques années. J'ai aussi reçu une beauté teintée de rose, une Calisia repens variegata. Alors ça c'est magnifique, c'est prolifique, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout rose et c'est juste très très chouette. Alors elle était super bien emballée dans un emballage de ce type, donc elle est arrivée nickel. Le petit feuillage qui est très fin, très délicat, n'est pas abîmé du tout. On est vraiment sur une plante d'une grande beauté. Alors elle a pas mal de racines, donc je vais peut-être effectuer un petit rempotage. Je vais voir pour elle comment ça se passe. Alors, on continue avec... Alors, tac, toi tu t'appelles Calanchoe Lativirens. C'est un peu le Calanchoe aux centaines de bébés. C'est pas celui, c'est pas Mother of Thousands. Là, c'est Mother of Hundreds. Alors, elle avait ses petits bébés. Ils sont tous un petit peu tombés. Je les ai récupérés là et je vais les replanter. Et elle est juste trop, trop belle. Elle est juste, elle est grande, elle est magnifique. On dirait presque une plante carnivore. Croc, croc, croc. Faut que j'arrête de vous raconter des bêtises. Autre chose, j'ai reçu quelque chose de très chouette. Ce sont des Lithops. Alors les Lithops, vous savez, c'est la plante caillou. Je vous en avais déjà parlé il y a 3 ou 4 ans de ça sur la chaîne. Alors là, pour moi, c'est une vraie première parce que j'en avais acheté une fois au supermarché un Lithops en mauvais état que j'ai voulu sauver et que je n'ai pas réussi à sauver. Et là, cela... C'est la classe au-dessus. Honnêtement, ils sont vraiment très très beaux. C'est la classe au-dessus, donc c'est vraiment, ils sont vraiment très très chouettes. Voilà, donc ça, on se fera le petit rempotage. Alors, autre chose. Voici, alors ça, j'en avais super envie. J'adore ce genre de plantes. Vous allez vous dire que je suis folle. Hein. C'est une Boea volubilis. Alors. Ça, ce sont les bulbes et après ça va pousser, je vous mets une photo. Voilà comment ça va pousser après et ça, moi, ça me parle trop. Juste, ça me fascine, ça me parle trop. Donc là, j'ai mes petits bulbes à planter et on va voir, ça va sortir et tout. Ça va être très très chouette, vous voyez, ils ont pas mal de racines, donc je suis hyper confiante et c'est trop trop chouette. J'ai hâte de voir. Moi, les plantes, plus elles sont bizarres, plus j'adore. Alors, on continue avec une plante plutôt petite, microscopique, mais absolument fantastique. Crassula ausensis titanopsis. Voilà, donc forcément, je vais vous faire un zoom dessus parce que là, vous ne voyez rien, je pense. Et ce genre de plante, c'est juste incroyable. C'est fascinant au pays des succulentes et j'adore, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, donc ça va aller dans un petit pot, ça va être juste très chouette. Et là, alors là, en voilà une qui est juste magnifique. Si vous aimez la couleur, c'est juste pas possible de passer à côté. Un Pleiospilos Nelly Royal Flush.
Alors, ma prononciation est probablement encore très bizarre, très erronée. On est sur du rose foncé, pourpre, bordeaux. C'est juste trop magnifique. Juste trop, trop beau, trop, trop magnifique. Va falloir que j'en prenne bien soin. Voilà, c'est très chouette. Ensuite, on arrive sur ma pépite. La plante que je cherche depuis plusieurs années, le Xerocycios d'Anguilly, la Silver Dollar plante. Alors, c'est grâce à l'une d'entre vous que j'ai découvert Sunny Plants, parce que quand je vous en ai parlé en début d'année en vous disant qu'elle était sur ma wishlist, l'une d'entre vous m'a orientée sur Sunny Plants en m'expliquant, ils en ont des fois. Alors j'étais allée voir, malheureusement c'était en rupture de stock et du coup c'est là que j'avais commandé d'autres plantes et que j'avais pu voir que c'était une super boutique. Et là, ils en avaient une, ils me l'ont envoyée. Je suis super contente, merci infiniment, je suis hyper reconnaissante de l'avoir reçue en super état, franchement, en plus en super état. Là, ils m'ont mis 2 pouces, là j'ai, vous voyez, avec la petite motte, mon petit bébé. Et là, voilà, c'est juste magnifique, juste trop trop chouette, et ça j'adore, je suis grande grande fan. Grande, grande fan. Donc, hyper contente. J'aime beaucoup Sunny Plants. En fait, ils ont proposé de m'envoyer ce colis. J'ai carrément accepté. Je pouvais pas passer à côté. On ne dit pas non à une telle proposition. J'aime beaucoup la boutique. Je vous mets un lien en barre d'informations si vous voulez aller voir faire du shopping. Je ne sais plus comment j'ai fini cette vidéo parce que je sais que j'ai dit quelque chose que j'ai ajouté au début. Donc, je sais plus où on en est. Dites-moi quelles sont vos favorites dans ce que j'ai reçu. Dites-moi s'il y a des plantes qui vous tentent chez Sunny Plants. Et surtout, n'hésitez pas à profiter du code promo qui est valable en ce moment parce que c'est du bonheur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.